Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je vous prends dans le canapé qui est pas rangé, la gueule défraîchie, mon gilet plein de poils parce que Ryan est nu. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, on va commencer par... En fait, je vais me faire une journée cocooning, glandage, tout ça, en regardant Esprit Criminel sur la télé et la PlayStation. D'ailleurs, il faudra que je vous bouge un peu, parce que sinon, vous êtes devant. Ouais, vous êtes chiant. Hein. Et je vais faire des petits masques et tout ça avec vous. Je vais faire un soin des ongles aussi. Alors là, faites pas attention à l'état de mes ongles. Ils sont, c'est catastrophique. J'ai des taches de vernis qui partent pas. Et tout ça, donc là je les ai coupés un max, limés, poncés au-dessus et tout ça. Et on va leur faire des petits soins juste après, mais on va commencer par autre chose. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter pour ce week-end. Alors attendez, j'enlève mes lunettes, mais j'ai pas besoin de les enlever tout de suite. Je vais commencer par... Si, il faut que je les enlève. Oh, je dis n'importe quoi. Pardonnez un petit coup d'eau de rose pour réveiller ma peau et nettoyer ma peau et tout ça. Alors, Georges est à l'école ce matin. Par où commencer? Vendredi, c'est rien passé, je crois. Non. Si, un truc. Vendredi, j'ai commencé à faire mes ventes Vinted. Enfin, oui, j'ai fait mes ventes Vinted. Il me reste trois bouquins à mettre et un diamond painting là, que je vais essayer peut-être de mettre aujourd'hui. Donc, j'ai fait mes ventes Vinted. Et j'avais... trier tous mes bouquins là que je vous avais dit que ça faisait 3 mois qu'ils traînaient là, que je devais absolument mettre en vente. Et dedans il y avait 3 tomes des Chevaliers d'Émeraude, puisque je vous avais expliqué, il me semble, une fois que je les achetais avec une copine à l'époque, et on achetait de temps en temps chacune un tome et on se les échangeait pour pas acheter les 12 quoi. Mais je me suis perdue, je crois que j'ai arrêté au 5. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais l'histoire est vraiment très jolie, c'est une très belle histoire. Et en voyant les bouquins, je me suis dit, mais j'aimerais bien les relire quand même, mais j'ai pas tous les tomes, sur 12 j'en ai 3, m'en manque 8 quand même. Et du coup, j'ai regardé sur Vinted et j'ai trouvé le reste de la collection complète des bouquins à 2 € pièce. Voilà. Donc là, j'attends que mes sous arrivent sur PayPal pour payer le monsieur. Alors, il m'a trop fait rire parce que il y en a un, le tome 5. J'ai dû le commander ailleurs, donc j'ai dû repayer les frais de port, mais bon, tant pis. Parce que son chien l'avait mangé. Alors, il me dit, ça va, hein, il est encore en bel état. Moi. Il manque juste la couverture et les 25 premières pages. J'étais mort de rire. Donc là, je vais donner un petit coup de rasoir pour mon petit duvet. Donc voilà, maintenant je vais attendre ça. J'attends que la personne à qui j'ai acheté le tome 5 me l'envoie, ce qui n'est toujours pas parti. J'ai un colis que quelqu'un doit aller chercher aussi, qui en a pour 30 et des boules, là, qui n'a toujours pas été cherché. Donc j'aimerais bien que ça s'active un peu. J'ai vendu les liners cake presque directement après les avoir postés à la même personne. Donc je lui ai fait un petit prix et... je dois vous avouer que je suis un peu inquiète parce que c'est une personne sans évaluation. Donc ça me fait toujours un peu peur, mais en même temps je me dis, voilà, si la personne vient de créer son compte, je peux pas ne pas faire confiance aux gens juste parce qu'ils n'ont pas d'évaluation. Quoi. Parce que moi on m'a fait confiance même que j'en avais pas. Donc voilà, c'est un peu délicat, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend sur Vinted, moi j'ai eu qu'une fois une arnaque pour 3 €, mais bon. On verra bien ma foi. Puisque je vous rappelle que la vente des produits pas neufs de maquillage est interdite, hein, donc je ne sais pas ce que je risque en le faisant quand même. Après, elle est informée hein, que c'est pas du neuf et tout ça, hein, je ne mens jamais hein, quand même, pour pas déconner. Hein. Donc voilà pour Vinted, ça c'était le vendredi. Vendredi, ouais, j'ai fait la vente des liners... vendredi, et comme on devait aller dans le coin là, on a été posté directement le samedi. Donc
comme ça. J'espère qu'elle va vite les recevoir et vite valider la vente aussi. Que je ne me tracasse plus avec ça, parce que là, il y en a quand même pour 38 euros. Sans compter les cadeaux, hein, parce que quand il y a des montants comme ça, je mets toujours des cadeaux en prime. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai survolé mon petit duvet. C'est du survolage, hein, plus qu'autre chose. Je le fais pas à la perfection. Je redonne un coup de coton avec l'eau de rose qui reste dessus. Les sourcils, je ferai tantôt parce que ça, il me faut mes lunettes et le miroir grossissant pour voir s'il y a des sourcils aux rebelles. Donc là, j'ai déjà donné un coup de rasoir pour enlever le petit duvet qui se met ici, là, que ça m'énerve. Mais il faudra que je voie s'il y a des poils disgracieux. Donc samedi, on a donc fait le live. Donc c'est retour, pour ceux qui n'ont pas encore compris, retour au live deux fois par mois. Donc le premier samedi du mois et le troisième samedi du mois. Le mukbang, finalement, je vais le mettre le premier lundi du mois ou le deuxième, quand il n'y a pas de live cette semaine-là. Premier ou deuxième, je pense. Enfin, un lundi. À la place d'une des vidéos make-up, de toute façon, c'est les vidéos que vous regardez le moins, donc c'est pas très grave si j'en change une fois par mois. Donc je mets un petit coup de spray hydratant quand même, parce que tout ce qui est gommé ou grasé doit être hydraté. Très important. Même si on va faire des masques par-dessus, mais voilà. Et comme vous avez vu, je vous remets la rediff du live dans le petit i, ici. Ici, je ne sais jamais quand je suis de ce côté-ci. Non, c'est ici. Et j'avais vraiment pas le moral parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec Georges, donc je vais pas rentrer dans les détails. Hein. J'ai pas envie que vous sachiez non plus tous les problèmes d'ado que j'ai avec mes enfants. Mais voilà, il était vraiment pas bien le samedi et le dimanche il allait beaucoup mieux. Et je pense que c'est beaucoup grâce à vous, puisque ça lui a fait du bien de voir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à lui, en fait. Parce que c'est vrai que question famille, il n'est pas servi, ce pauvre petit, là. C'est ce que je disais à DJ, quand on voit, il a quand même des parents, il a un parrain, une marraine, deux fois des grands-parents, il a une tante, il a deux oncles, il a un parrain, une marraine, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et par exemple, pour Noël et son anniversaire, il a eu deux cadeaux. Nous et mon frère. Voilà, c'est les seules personnes qui lui font des cadeaux d'anniversaire ou de Noël, qui s'intéressent un peu à lui, c'est nous et mon frère, de toute façon, tout simplement. Donc je pense qu'il se sent un peu... comment expliquer ça? Il se sent pas important aux yeux des gens à qui il devrait être important. Hein. Surtout quand on voit les différences, par exemple, avec mes beaux-parents et... le fils de ma belle-sœur, je comprends que petit, ça lui fasse du mal, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux rien faire de plus, moi. Donc voilà, je pense que ça lui a fait vraiment du bien de voir qu'il y avait certaines personnes qui s'intéressaient quand même à lui. Nymphe, encore merci pour tout, je te l'ai déjà dit, mais... Voilà, tes messages après, t'as bien vu qu'ils m'ont fait pleurer, mais ça, en même temps, c'était des larmes... j'étais émue parce que, comme je lui ai dit à elle, j'ai pas l'habitude qu'on s'intéresse à moi, en fait, ou mes gosses non plus d'ailleurs. Hein. On n'a pas l'habitude qu'on s'intéresse à nous parce qu'on est vraiment, on a l'impression d'être les pestiférés de la famille partout. Bon, à part mes amis, hein, je pointe pas mes amis. C'est pas du tout pareil. Je parle vraiment par rapport à la famille. J'arrive pas à ouvrir le masque. Oui, je vais mettre les patchs là, mais j'arrive pas à les ouvrir pour les yeux que j'avais reçus dans le swap avec Manon. De toute façon, c'est tous des masques que j'ai reçus de Manon. Mais la vache, j'ai cherché un ciseau. Voilà. Et comme vous n'avez pas l'habitude que des gens se tracassent pour vous, ça fait drôle quand quelqu'un le fait, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils sont trop mignons. Par contre, les petits cœurs... Ah si, ça y est, je les vois. À l'envers, ça faisait bizarre. Donc, je vais mettre ça sous mon œil. Alors, attendez, je me rapproche pour mieux voir. Oh, c'est mignon. Oh, c'était tout mignon.
J'espère qu'ils vont tenir parce qu'ils sont assez épais, donc assez lourds. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps il faut les laisser agir parce que moi, j'ai le chic pour pas lire. Surtout qu'en plus, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais aussi mettre le Detox Mask Charcoal Clay Mask de chez Pink, donc Victoria's Secret. Celui-là, il me semble qu'il faut le laisser agir 10 minutes, si je me souviens bien de ce qui était noté. Donc, j'ai pas l'habitude des masques à l'argile. J'en fais très peu parce que ça a tendance à déshydrater un peu la peau. Mais on va tester. Il sent bon. Donc, je prends mon petit pinceau en silicone qui venait de chez Action. Enfin, qui vient chez Action, hein, ils y sont souvent. Et voilà, je vais mettre ça. Ouh, c'est froid. Je vois absolument rien de ce que je fais. C'est très intelligent de faire ça comme ça. Donc, on va pas aller trop près des cheveux non plus. Trop près des sourcils non plus. Donc voilà, le live c'était vraiment très émotionnel pour moi. Et Georges aussi d'ailleurs. Quand il a vu que Nymph après proposait de parler avec lui et tout ça, ça l'a vraiment touché, moi aussi d'ailleurs. Et Mamie Cachou qui dit que elle, quand elle a vu que Sam l'avait réclamé, qu'elle dit oh, j'étais pas là, je suis trop triste et tout, et ça lui. Ça lui a vraiment fait du bien de voir que des gens pensaient quand même à lui et se tracassaient pour lui, je pense. Donc on va bien voir. Écoutez, on va attendre jusque maintenant les vacances de Pâques. C'est dans 15 jours. Et on va voir ce que ça donne d'ici là avec l'école. Voilà, on va laisser poser ça pendant 10 petites minutes. Je vois pas du tout ce que ça donne, hein. Rien. Ok. Et du coup j'avais fait une story, mais pour ceux qui n'ont pas Insta, vous n'avez pas vu, mais j'ai vraiment dit ah, ça se casse la gueule que voilà, la plupart des autres chaînes ont une communauté, des abonnés et tout ça. Moi j'ai vraiment une famille grâce à vous, et c'est juste hyper touchant parce que je voulais rebondir aussi un peu sur ce qu'a dit Amy dans son vlog. Donc, je vous mets son vlog en barre d'infos. Elle disait que je consacrais énormément de temps à ma chaîne, à mes vidéos, que je vis YouTube, en fait. Mais c'est parce que ça m'aide aussi. C'est pas... comment ? Moi, c'est ma thérapie, en fait. Quand je fais des vidéos et des montages, ou quand je pense que je réfléchis à mes vidéos, c'est vraiment les seuls moments... Quand je réponds à vos commentaires, enfin tout ce qui est en lien avec YouTube et Insta, en fait, c'est les seuls moments où je pense pas, où je pense à rien d'autre, en fait, parce que même quand je regarde parfois Esprit Criminel, d'un coup je vais me secouer, puis je vais dire, mais j'ai rien compris des trois quarts parce que j'étais perdue dans mes pensées et tout ça, tout ça. Et ça m'arrive jamais quand je fais des vidéos, quoi. Donc c'est vraiment, moi c'est ma thérapie. Voilà, et forcément, ben, on a créé des liens avec celles qui me suivent depuis très longtemps. On a créé des liens avec celles qui me suivent, celles et ceux hein, qui me suivent depuis moins longtemps, mais qui sont tout le temps présents en commentaire, à liker tout, à partager, quoi, en fait, voilà. Plus vous partagez avec moi, plus je partage avec vous, et plus on crée des liens, c'est sûr que je serai moins proche, entre guillemets, de... quelqu'un que je connais pas le pseudo, qui est juste là pour regarder les vidéos, quoi. Après, j'oblige personne à commenter et tout ça, hein, non plus, mais c'est ce que j'ai toujours voulu sur ma chaîne, c'est vraiment être avec des copines et partager des choses qui me passionnent, qui passionnent aussi celles qui regardent, et ceux... J'ai vraiment du mal avec les messieurs hein, sur ma chaîne. Mais voilà, et quand je vois qu'il y a plein de gens qui sont là, malgré qu'ils n'aiment pas forcément le make-up, je pense à Arnaud, je pense à Maël... Voilà, c'est vraiment... Il y a des messieurs qui me suivent juste pour m'écouter parler, juste pour ma personnalité et tout ça. Et c'est vraiment... c'est touchant, quoi. C'est vraiment adorable. Voilà. Bref. Donc, j'ai été ce week-end aussi déposer le cadeau d'anniversaire à ma belle-sœur. D'ailleurs, il faut que je pense à lui envoyer un message parce que c'est aujourd'hui. J'étais persuadée que c'était hier, mais non, c'est aujourd'hui. Alors, je voulais absolument qu'elle l'ait hier.
Et du coup, j'ai vu un peu mes neveux et ma filleule et mes nièces. Enfin, mon neveu, mes filleules, mes nièces. Ça fait vraiment du bien parce que je les avais pas vus depuis presque un mois et demi. Donc, c'est énorme. Alors que il y a un an en arrière, je les voyais presque tous les jours. Voilà, ce confinement commence à me peser. On n'arrive pas à se voir comme on veut. On ne peut pas voir notre famille comme on veut. Mais l'école reste ouverte. Cherchez l'erreur. Donc voilà, écoutez, moi je cherche plus à comprendre la logique. On en a parlé sur le live. Voilà. Je voulais aussi rebondir sur le vlog de Letty par rapport au partenariat. Mais ça, je le ferai dans le mukbang. Voilà. Dans le prochain mukbang, on en parlera. Ouais. Comme ça, je garde un peu des sujets intéressants pour d'autres vidéos que pour les vlogs. J'ai l'impression d'être un monstre de lave. Donc voilà, bah écoutez, je vais laisser poser ça. Je vais aller mouiller une petite microfibre pour l'enlever. Après, là, je bave. Ça bave. J'avais peut-être pris un peu trop, hein, mais comme je vois rien. Les patchs, c'est dommage, ils sont un peu lourds, ils pissent. Mais ils sont tellement beaux. Il y a quelqu'un qui va te passer dans la fenêtre. Autant ça ne me dérange pas quand on vient sonner, quand je suis en plein make-up ou que j'ai un make-up artistique, mais avec cette tête-là, j'oserais peut-être pas ouvrir la porte quand même. Hein. Bon, pas avec mon nez. Hein. Oh, ça fait déjà 17 minutes 30 que je parle. Ouh, ben dis donc. Donc voilà, ben écoutez, je vais laisser poser ça encore 5-10 minutes, et puis je reviens pour l'enlever, et on mettra un autre masque juste après, il faut que j'aille laver mon pinceau aussi, quoi. Je me rends compte que je vous ai même pas dit l'heure, il est 8h33, voilà. Donc, on va enlever ça. Ok. Hop. Et je vais essayer de nettoyer le masque. Je l'ai vraiment mis comme une cochonnette. Ah, oh, c'est dégueulasse. À enlever, c'est une horreur. Moi, je me chope pas une peau extraordinaire d'un coup. Hein. En même temps, je fais des soins tellement souvent. Là, je fais mes petits soins tous les jours. Hein, et... Voilà. Alors, je vais attendre que mon visage sèche et je vais faire un, toujours que j'ai reçu de Manon, les vilains, tu m'énerves, de Catrice, le maléfique. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vois rien, je vois rien, mais rien, je suis miro. Donc il y a deux doses et c'est avec du shea butter, il y a de la glycérine et c'est une formule qui nourrit richement. Alors, 15-20 minutes celui-là. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a du français là-dessus? Oui. Masque hydratant pour le visage à l'extrait de thé vert. Appliquez une petite quantité de produit sur le visage, tout nettoyé, en évitant le contour des yeux et de la bouche. Laissez agir pendant environ 15-20 minutes. Rincez à l'eau chaude. Ok, bon, bah, je vais prendre la dose en dessous parce que comme ça j'ai le temps de pause sur la dose du dessus. Donc je vais le mélanger un petit chouïa quand même. Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir celui-là? Mais, ah oui, ça va mieux. Ok, on relève les binocles. Je garde mon petit pinceau. Et je vais essayer d'en mettre sur le pinceau sans faire de catastrophe. Ça serait bien. Mais vraiment bien. Voilà. Alors. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont super bons. Je vois pas très bien qu'est-ce que vous faites. Hein. Mmh, allez, on tartine. Oh, ça fait du bien. Oh, on sent bien l'hydratation. Alors, je vais essayer de choper le reste pour prendre mon miroir et voir si ça déborde. S'il y a des jaunes ou j'en ai pas. Alors, attendez. Oh, je mets vraiment ça comme une sablée. Oh,
DJ, arrête. Ouh, Casper. Je vais essayer de l'étaler un peu plus uniformément au doigt quand même. Je pense que ça ira mieux au doigt. Ouais, je le descends quand même un peu dans le cou. Et voilà. Donc on va laisser poser ça, le masque Casper. Il serait vert, ça ferait vraiment maléfique, ça serait chouette. Donc je reprends dans 15 minutes. Ok, là ça fait 15 minutes. Donc on va essuyer ça avec ça encore. Ils me disent le rince à l'eau chaude, mais voilà. Ça fait un effet dégueulasse quand on essuie. Ah, c'est affreux. Chut. Quoi, t'attends? Je suis occupée. Oui, je sais, t'attends. Vous entendez Ryan derrière se plaindre? Ben oui, je sais, ta vie, elle est misérable. Hein, oui. T'avais une vie pourrie, hein, mon pauvre toutou. T'étais malheureux, Ryan? T'es un pauvre toutou tout malheureux? Arrête de me chouffer. Et voilà. Ben écoutez, il est pas mal. Après, j'ai pas l'impression que ma peau est super... Mais elle est bien hydratée, c'est cool. Ça fait du bien. Ah, j'ai plus de batterie. Donc, moi je vais jeter pour l'épilation de mes sourcils. Mais tais-toi! C'est moi qui parle ici. Oui. Viens là. Viens là. Viens là. Viens ici. Donc, je vais épiler mes sourcils comme il faut et mettre un peu d'huile d'argan dessus. Un petit baume à lèvres. Et je vais recharger ma batterie et je reviens pour un petit soin des ongles. Je vous montre une petite recette maison, je ne sais pas si vous connaissiez. Voilà, à tout de suite. Donc il est 10h10, j'ai rechargé un petit peu ma batterie. Et maintenant je vais faire un peu un soin de mes ongles en attendant le facteur. Comme ça si jamais il passe, je peux vous montrer juste après. Puis après j'irai à la sieste. Donc voilà. Donc je prends un petit bol comme ceci. Et à l'intérieur, alors vous n'allez pas voir, mais j'ai mis de l'huile d'olive. Et un petit peu de citron. Alors, si vous avez du citron à presser, c'est mieux. Moi, j'en ai pas, donc je mets du citron liquide. Alors, attention, si vous avez des blessures autour des doigts, ça va piquer. Voilà. Donc, je vous conseille de ne pas mettre de citron à ce moment-là. Et là, je vais rajouter un petit peu d'huile d'argan, que c'est celle pour mes cheveux. Hein. Je mets quelques pompes, hein, j'en mets pas 15 000 non plus. Et je trempe juste mes doigts dedans. Donc il ne faut pas énormément. Hein. Il faut juste que les doigts trempent. Donc je mélange en même temps. Et voilà. Je pose mon bol avant de faire une catastrophe. Parce que si je me fais tomber de l'huile dessus, je vais pleurer. Je laisse tremper 10-15 minutes mes ongles dedans. Après, je vous conseille de les laver avec du produit vaisselle pour bien dégraisser. Parce que c'est vraiment gras. Voilà, donc je fais 10-15 minutes chaque main et puis j'irai me les laver. Je viendrai vous montrer juste le résultat parce que là, c'est pas passionnant de me regarder rien faire puisque j'attends que ça pose dedans. Voilà. Mais si vous avez des problèmes d'hydratation d'ongles et tout ça, le citron va les blanchir, les assainir un peu aussi. Les huiles vont, l'huile d'olive et l'huile d'argan. Si vous n'avez pas d'huile d'argan, vous ne le faites pas. C'est la première fois que j'en mets. Moi, j'en mets pas d'habitude. C'est juste un conseil qu'on m'a donné hier. Comme ça, je vais essayer. Mais moi, je le fais juste avec de l'huile d'olive et du citron. Et ça va les blanchir et vraiment bien les hydrater, bien hydrater les cuticules et tout ça. Et ça va aider à ce qu'ils soient plus beaux, bah, plus hydratés forcément et qu'ils poussent un peu plus vite aussi. Voilà. Donc, je vous reprends une fois que mes mains sont dégraissées. Donc voilà pour mes ongles qui sont... j'ai fait mon petit bain, je les ai lavés à l'eau bien chaude avec du produit à vaisselle. Et vous allez voir qu'ils sont un peu plus blancs là où il n'y a pas de taches. Hein, et plus, on voit qu'ils sont un peu plus hydratés. Bon après ils sont abîmés encore, hein, donc je vais couper au fur et à mesure qu'ils vont pousser. Mais voilà. Là je vais mettre un petit peu de durcisseur, même si j'en ai pas besoin vu que j'ai coupé vraiment les bouts que j'avais trop limés. Mais j'en mets quand même, donc celui de chez Creutzvat. Voilà, il n'est pas bien cher, il est super efficace. Donc là, je vais juste mettre une couche. Ça sèche quasi instantanément. Ça fait un petit peu briller l'ongle, ça fait une petite protection. C'est parfait. Par contre, ça pue.
Et entre-temps, j'ai reçu mes sous sur PayPal, donc j'ai acheté mes bouquins. Voilà, donc je vais me remettre à la lecture. Ça va me faire du bien, ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai pas lu. Alors vraiment longtemps, ça fait des années que j'ai pas ouvert un bouquin. Le dernier que j'ai lu, et que j'ai même pas fini d'ailleurs, c'est celui de Victoria Charlton. Mais j'ai même pas fini toutes les enquêtes. Mais moi qui ai toujours été accro aux bouquins, c'est pour ça que j'en ai autant. Et encore, j'ai déjà fait un gros tri. Hein. Mais là, ça fait des années que j'ai pas pris le temps de lire. C'est un truc de fou. J'ai encore mes métamorphoses aussi à lire que j'ai pas fini. Faut que je trouve celui qui me manque aussi. Mais bon, là, avec 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude, j'ai le temps, quoi. J'ai le temps. D'ailleurs, il va falloir que je range un peu ma bibliothèque. Je vais enlever les jeux PlayStation. Enfin, ma bibliothèque. Avant, j'avais une toute grande bibliothèque. Maintenant, j'ai plus que 2 étagères. Hein. Mais il va falloir que je fasse la place pour les 12 tomes du truc. Donc, je vais enlever les jeux PlayStation et je vais mettre mes livres à la place. Je vais essayer de resserrer un peu les rangs. Donc voilà ce que ça donne avec le petit durcisseur appliqué. Ils sont plus brillants, plus jolis. Donc vous allez vous habituer à voir mes ongles un peu cracra et naturels le temps que ça se remette. Voilà, écoutez, on fera avec. Hein. Moi je vais vous laisser là du coup, sauf si le facteur entre temps me dépose mes crayons, mais ça m'étonnerait fortement. Ce matin j'ai fait une commande Boozy Shop, mais c'est pour le swap, donc je pourrais rien vous montrer. Il me reste plus que 2 commandes à faire. J'ai fait 2 commandes ce matin et il me reste plus que 2 commandes à faire là pour terminer. Et comme ça, après je peux tout mettre de côté parce que ça va pas. Là, je dépense plus. Comme je referai pas de swap de toute façon cette année, je veux vraiment monter ma cagnotte d'économie. Comme ça, une fois que j'ai assez de sous pour l'appareil, j'achète l'appareil et après je continue à mettre de côté pour mes dents. Mes dents. Je voulais y venir parce qu'on en parlait avec DJ quand elle est venue vendredi. Et donc, pour l'instant, j'ai pas besoin que ça aille de mettre absolument de côté pour mes dents, puisque le seul le seul moment où j'aurais besoin d'un dentier, c'est si les dents tombent, puisqu'elles sont déchaussées, donc si jamais elles tombent. Mais c'est comme je disais à DJ, j'ai au pire si elles tombent. Je fais marcher l'assurance familiale de mon frère et je dis que son chien m'a fait tomber et puis bam, comme ça c'est pris en charge et je lui paye juste la franchise quoi. Voilà, quand vous avez les moyens de vous arranger comme ça avec quelqu'un pour des frais comme ça, n'hésitez pas à le faire quoi, parce qu'on paye la familiale souvent pour rien, donc autant que ça nous serve de temps en temps. Donc voilà, mais je vais quand même mettre de côté au cas où je voudrais question d'esthétisme faire quelque chose, mais là bon, ça me convient très bien comme ça, c'est pas choquant. Même si mes dents sont déchaussées, elles tiennent, elles bougent plus. Voilà. Bon, après, de ce côté-ci, j'ai plus qu'une molaire ici devant, j'en ai plus. Et c'est cette dent-là qui est en herbe. Mais c'est toujours que c'est que de l'esthétique. Donc, voilà, on fait avec. Là, je suis quand même déjà plus à l'aise sans le tartre et tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que j'aille brosser mes dents, je ne l'ai pas encore fait. Donc j'allais faire ça maintenant, j'allais brosser mes dents et voilà, je pense que je vais aller à la sieste et qu'on se retrouvera demain tout simplement. Je vous expliquerai pour... Ah oui, je viens d'avoir un message de Sam, donc il a été à l'école, hein, je vous l'ai dit, et ma chance, que vous connaissez très bien maintenant, fait qu'ils ont reçu un papier là parce qu'il y a un cas dans leur classe. Donc il n'en sait pas plus, l'enveloppe est scellée pour les parents, donc on verra bien ce qu'ils disent, si on doit absolument les faire un test ou pas. Je verrai ça quand il rentre à 5h avec Chérie. Et puis, sinon, on prendra rendez-vous pour faire le test mercredi, puisque Chérie est en congé, puisque on doit retourner chez l'ORL mercredi aussi. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je viens de voir la camionnette du facteur passer. Donc, à mon avis, il ne m'a rien déposé. Je vais quand même aller vérifier dans ma boîte aux lettres. Si jamais il y a quelque chose, je reviens vers vous. Sinon, on suit toujours. 9h13, pour être très, très, très précise. Et... hier j'ai fait une bêtise. On va dire ça comme ça. Là j'attends que Lilou se taise. Elle est tellement dodue qu'elle a des bourrelets sur le cul. C'est un truc de fou. J'attends deux colis de chez Boozy Shop. Donc là il me reste une commande pour finir le soir que je dois commander. Je voulais la commander maintenant, mais oh,
Mais finalement, je dois verser des sous sur mon PayPal parce qu'il ne veut pas retirer de mon compte et tout ça, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment une chérie. Donc ça sera pour demain, je pense. Il faut à peu près 24 heures pour que les sous arrivent sur mon PayPal. Donc c'est le dernier produit et j'aurai fini le swap. J'ai déjà fini le menu aussi. Les filles vont encore m'engueuler. Mais au moins, comme ça, maintenant, je peux mettre... Ryan, t'as pété. Je crois bien. Je peux mettre à fond de côté. Voilà. On va voir ce que je ferai avec les sous une fois que j'en aurai assez. Priorité à l'appareil ou mettre vraiment de côté pour mes temps, pour refaire le côté... je sais pas encore. Voilà, je suis un peu mitigée parce que je trouve un peu des petites solutions à droite à gauche. Je me dis que l'appareil, bon, là, l'image est bonne. Le son, oui, c'est chiant parce que pendant le montage, je dois bien faire attention de synchroniser le son et l'image. Je dois me balader avec mon téléphone pour enregistrer le son, pour qu'il soit bon pour vous. Mais en même temps, je me dis, voilà, je m'y suis faite. Ça fait plusieurs mois maintenant que je fais ça et ça va très bien. Donc, est-ce que je suis prête à y refoutre presque 1000 balles dans un autre appareil? Je sais pas. Pour mes dents, comme je vous l'ai dit hier, au pire, si elles tombent, donc je ne parle pas du côté esthétique, hein, parce que là, ça serait plus du luxe pour ma part. Mais si jamais elles tombent, j'ai toujours la solution de tenter avec l'assurance familiale de mon frère. Mais je veux quand même avoir des sous de côté au cas où ça ne marcherait pas ou ça ne prendrait pas en compte ou des choses comme ça. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur mes envies. En fait, en ce moment, j'ai pas le moral, donc j'ai envie de dépenser des sous. Heureusement, je les dépense pas pour moi, donc ça va. Bon, ça change rien, c'est des sous dépensés quand même. Hein. Mais au moins, le swap est fini. Donc maintenant, il faut vraiment que je me restreigne. Après, je me suis bien restreinte pour moi, je parle, hein, pas pour le swap. Mais pour moi, je me suis bien restreinte depuis le début de cette année. Là, j'ai refait aussi une commande sur Cosmetic for Less. J'ai repris du backup. Principalement du fond de teint, crayon à sourcils Catrice. J'ai repris une poudre essence, un fard mono Catrice que j'utilise pour mettre sous mon sourcil. Et j'ai repris le concealer de chez Essence que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, j'ai dit, je vais le reprendre. Je vais alterner celui-là parce que j'ai encore quand même du stock, hein, du XX ou du Infinite. Hein. Mais... je me souviens que je l'aimais vraiment beaucoup avant de tester l'Infinite. Donc, je me dis, on va voir, je vais le retester comme ça, parce qu'il est quand même 2,50€, je crois, à la place de 10€. Donc, voilà. Bref, mais ça, Cosmetic for Less, c'est pas pour tout de suite. Je viens de faire le virement. Ou chérie, il a fait hier. Non, je viens de le faire. Et donc sur Boozy Shop, j'ai fait une première commande, c'est pour ça que j'attends deux colis. J'ai validé ce qui me manquait pour mon swap. Et j'ai réfléchi, je me suis tâtée, tout ça, parce que voilà, la palette Mitchell, vous le savez, m'intéresse depuis le reveal. Forcément, c'est du vert. C'est du vert, en plus avec du camouflage dessus. Il y a du kaki, il y a du gris, enfin voilà quoi. Après, est-ce qu'elle est indispensable? Pas du tout, mais j'ai ri. Mais je me suis dit, tiens, fais-toi plaisir. Voilà. Donc je l'attends. Et donc lundi, demain pour vous, vous aurez une palette 3 looks avec cette palette. Donc là, dès que je la reçois, je vous montre. Et voilà. Donc là, je vais faire mon ménage parce que j'ai des petits moutons, des moutons miniatures de Ryan qui se baladent partout dans la maison. En attendant mes colis. Et je vais essayer de vous montrer sa mue s'il se laisse faire. Mais ça, c'est pas gagné. Ouais, t'es beau, mon bébé. Même quand tu te déplumes, t'es beau, hein. Pas fait. Je vais essayer de vous poser par terre pour vous montrer ses poils. Il déprime. Et je suis réveillée depuis 5h moins le quart ce matin à cause de lui. J'ai juste envie de lui casser la gueule. Et il y a du soleil. Ça, c'est bien. Demain, Sam a rendez-vous chez l'ORL à 8h40. Et en même temps, je vais aller déposer. J'ai deux colis Vinted. J'ai déjà tout préparé en haut pour faire ma photo de la palette. Et comme ça, demain... Alors aujourd'hui, je voulais filmer absolument parce que j'ai pas filmé hier, du coup. Mais du coup, ça va pas parce que si je monte, je sais pas à quelle heure le livreur va venir. Si jamais il y a le facteur qui passe aussi. Donc,
je vais pas, j'ai pas filmé aujourd'hui, donc je vais faire mon ménage. C'est moins intéressant, mais bon, il faut le faire aussi. Le chien me regarde, l'air de dire, mais arrête de causer à personne. Hein? Et demain, je sais pas si je tourne d'abord une palette trois looks pour vous pour demain, ou si je tourne déjà le challenge Disney que vous aurez mercredi. Je pense qu'il vaut mieux que j'anticipe dans l'ordre et faire d'abord une palette trois looks, parce que je vais m'en mêler les pinceaux. Voilà. Donc, voilà, il n'y a rien d'intéressant à part l'attente de mes colis et mon ménage. C'est une journée passionnante. Mais, ah, vous avez vu, je me suis fait un café de taille à peu près normale. Parfois, ça m'arrive pour avoir le goût de café et pas de flotte. Voilà. Sinon, j'avais rien d'autre à vous dire, hein, je crois. Le monsieur a expédié mes livres, donc je devrais les avoir... fin de semaine ou début de la semaine prochaine, j'ai hâte de recommencer à les lire. C'est la première fois, ça fait très longtemps que je n'étais pas impatiente de rouvrir un bouquin. Donc je vous montrerai la collection complète quand je l'aurai. Là, j'ai fait la place pour les mettre, mais il faut encore que je réarrange ma bibliothèque. Je vous montrerai quand ils seront dedans, ce sera beaucoup plus joli. Donc écoutez, je vous reprends quand mon colis est arrivé. De toute façon, il n'y a que la palette que je peux vous montrer puisque le reste, c'est pas pour moi. Dans les autres colis que j'attends non plus, sauf le Cosmetic for Less, là c'est tout pour moi, mais c'est que du backup. Donc voilà, quand je vous dis qu'il mue, voilà comment ce qu'il mue. Ça fait des pompons. Vous voyez, il suffit de tirer dessus parce que ça le gratte en plus. Hein. Alors on tire dessus et ça fait des gros moumous comme ça. Voilà. Donc j'en ai partout. Ça fait ça. Voilà. Mon cher chien qui mue. C'est très agréable, n'est-ce pas? Même sa collerette. Hein. Ça fait des touffes, voilà. C'est très agréable un chien loup qui mue, je vous le dis moi. Mais il adore ça quand on lui enlève ses poils, regardez. Donc là je vais nettoyer, mais dans une heure ça sera déjà plus sans moumoute. Voilà, vous avez vu la passion quand il mue, voilà ce qu'on passe notre temps à faire. C'est à le dépiauter. Et lui, il adore ça. Plus on le tripote. Hein. Et Lilou, derrière, elle est jalouse, mais elle ne perd pas ses poils comme ça. Donc. Alors, il est 15h. Je viens de me réveiller de ma sieste de grand-mère. En même temps, on a été réveillé depuis avant 5h, forcément. Et j'ai mes colis qui viennent juste d'arriver. J'ai oublié de prendre le fossile pour vous montrer lesquels j'ai eu. Mais j'ai reçu ma palette. Voilà. Elle est trop, 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 trop belle. Oh. Donc moi, je vais commencer à m'amuser avec dès demain. Je vais vous faire une palette trois looks pour lundi. Et voilà. Donc pour demain, pour vous. Je vais vous chercher les fossiles pour vous montrer les deux paires que j'ai eues. Ces deux paires que j'ai jamais eues, je crois qu'ils sont à peu près similaires. Sauf qu'il y a des croisés et des droits. Et qu'il y en a des un peu plus longs que les autres. J'ai eu les Alissa et les Stacy. Donc plus j'ai des fossiles Boozy Shop, plus je suis heureuse, moi. Même si j'en mets pas souvent. Je vais les mettre à Enzo. Il est là juste à côté de moi. Il ne vous dit même pas bonjour. Salut. Voilà, donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, je vais enfin pouvoir filmer. Ça va me faire du bien. Ça fait deux jours de suite que je n'ai pas filmé. Là, je m'ennuie. Donc, ensuite, je joue. Et... Alors, il est 9h02. Est-ce que je vais vous dire que mes carreaux sont absolument dégueulasses alors que j'ai des lingettes pour les nettoyer? Tout à fait. Donc, je suis réveillée depuis 4h30. Ce matin, donc j'ai déjà pas arrêté de la journée, il est 9h, j'ai fini le premier make-up, je vous spoil juste le premier, les deux autres, je vais essayer de pas vous les spoiler, hein, mais comme vous doutiez qu'il y aurait du vert, voilà, avec cette palette, donc rendez-vous demain si vous voulez voir les deux autres, et voilà, sinon, j'ai rien de spécial à vous dire, là, monsieur est parti avec Georges chez l'ORL, donc j'attends qu'il rentre pour avoir des nouvelles et aller me coucher. Il y a le conseil en Belgique qui vient de se réunir, donc je pense qu'ils vont arrêter l'école. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas dans les écoles en ce moment. Ça dépend d'une école à l'autre, mais alors Sam a un cas dans sa classe, enfin Georges, et voilà, ça ne change rien. C'est pas un contact à haut risque apparemment, d'après la directrice de l'école.
Et ils doivent continuer à aller à l'école, sauf s'ils ont le moindre symptôme. Donc, maux de ventre, maux de tête, fièvre. Donc, forcément, il n'y a plus que la moitié des élèves en cours. Mais Georges n'en a pas tiré profit pour ne pas aller, sauf aujourd'hui, puisqu'il avait rendez-vous chez l'ORL. Il a été les deux jours. Nickel. Donc, je tiens encore à vous remercier, parce que je pense que le live avec vous lui a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Mon homme, son DRH... est testé positif au Covid, la mutation anglaise. Chouette, donc à surveiller aussi. Après, il n'a pas trop de contact direct avec le DRH, puisqu'ils ont chacun leur bureau, donc ça devra aller. Et voilà, là je viens de chercher après ma petite licorne Pandora, qui était un cadeau de mon grand-père, enfin de mon grand-père, par alternance. En fait, il m'avait acheté une chaîne en or avec un ange. Mais comme j'aime pas l'or, j'avais revendu pour me racheter la chaîne Pandora et ça, et d'autres trucs, parce que c'était pas du tout le même budget. Une petite licorne, voilà, parce que j'aime les licornes et que ça me fait aussi penser à lui. Et du coup, je pense que je vais, puisque ma chaîne est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grande maintenant, je vais la mettre sur ma chaîne police ici. Ça devrait passer et je vais enlever un petit peu ma croix. Ça fait des années que j'ai celle-là. Donc là, la licorne est complètement... dégueulasse, comme je viens de voir que je pouvais remettre ma bague de fiançailles qui normalement doit aller ici, enfin ici, mais qui est trop grande, mais elle va ici, donc elle va tournicoter je pense un peu, mais pas trop, donc voilà, prochaine douche elles seront nickel, hein. Il suffit de les prendre avec à la douche, voilà, donc là je mets ma petite licorne à la place et tada. Je la montre peut-être de plus près, mais ça va pas focusser, je crois. Ah si. Oh, tu t'améliores, Coco. Voilà. Donc ça change un peu. Et puis bon, c'est un souvenir de mon grand-père qui m'est très précieux aussi. Donc voilà. J'ai envie de mettre un peu mon grand-père autour de mon cou. J'arrive plus à la refermer. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est vraiment une chérie à fermer les chaînes. Voilà. Ça fera très joli. Très discret, mais très joli. Et celle-là, je vais la ranger un petit peu. Alors, en triant mes bijoux Pandora, mes breloques Pandora, j'ai retrouvé tout un lot de bagues fantasy, hein, de la cacaille. Hein, mais j'en ai retrouvé un bon paquet. Ah, donc, je vais les mettre encore sur Vinted par lot. Je sais pas, je vais voir. Soit je mets tout d'un coup, soit je fais des lots de 10, ou voilà, je sais pas. Mais je vais m'amuser à faire ça tantôt. Et celle-ci, je peux la ranger dans mon petit porte-monnaie zip. C'est un cadeau de ma filleule, mais que je voulais mettre en déco dans le fond, mais il me sert à supporter, à porter mon téléphone pour que vous m'entendiez mieux. Et après, je pourrais prendre d'autres trucs. Hein. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être la mettre un peu dans le fond, tu vois. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je pense déjà que ça sera tout pour aujourd'hui. Oui, ça sera une très courte journée, mais là, je vais attendre que mes hommes rentrent et aller me recoucher parce que je suis épuisée. J'ai été me coucher plus tard que d'habitude, vers 11h. 11h 11h moins le quart, en fait. Ouais, c'est pas si tard que ça, mais réveiller à 4h, c'est juste impossible. Donc ce matin, j'ai déjà été à la douche, voilà, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai regardé un peu à mon planning de vidéo et tout ça. Et depuis ce matin, je bloque sur les vidéos en retard de U Crime et Max Kays. Donc je suis en train de regarder des trucs de fou, de psychopathe, mais j'adore ça. Voilà, donc là je vais aller attendre mes hommes et... Si je passe quelque chose, je reviens vers vous. Sinon, ensuite, je suis désolée que ce soit une journée si courte, mais elle va être très longue pour moi, je crois. Alors, donc, voilà. Il est 6h57 et je suis réveillée depuis 4h. Encore. Voilà, donc là, je vais aller me recoucher, clairement. J'attrape mal à la tête tellement je suis fatiguée. Je ne sais pas pourquoi je me réveille à ces heures-là. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Donc je pensais les filmer avant d'aller me recoucher et faire ma sieste habituelle, mais là comme j'attrape mal la tête, il faut que j'aille me recoucher maintenant. Et je ferai ma vidéo après en espérant que mon mal de crâne soit passé. Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter ce matin. Donc je vous ai dit
le Conseil belge a parlé avant-hier, je ne sais plus, mais il y a quelques jours, un jour ou deux, je vous ai dit qu'il fermait les écoles à partir de lundi, que Sam avait eu un cas dans sa classe, mais que ça ne changeait absolument rien, hein, que voilà, c'était pas un contact à risque et tout ça. Et hier, on a reçu un message pour dire qu'il n'y avait pas école aujourd'hui et demain. Voilà. Donc en fait, il va avoir 3 semaines et demie de congé. On est content. On est ravis. Donc voilà, les vlogs risquent d'être un peu courts pour les 3 semaines à venir, puisque j'aurai tout le monde dans les pieds, quoi. Enfin, les deux garçons, du moins. Enzo part ce week-end chez son pote. Comme son pote n'a pas école la semaine prochaine, peut-être qu'il restera là-bas, je ne sais. Je sais pas, Enzo fait sa vie de son côté. Hein. Voilà, donc ça c'était pour une chose qui m'énerve, hein, parce qu'ils auraient pu carrément fermer l'école jeudi et vendredi officiellement. Ouais, donc l'école a décidé de fermer parce qu'il y a trop de cas dans l'école. Voilà. Mais un cas dans une classe, apparemment, c'est pas assez pour fermer une classe. Bref. Et alors Vinted me pompe de plus en plus. Je commence à saturer de Vinted. Alors, on va commencer par le côté qui fâche le moins, puisque c'est ma faute. Je vous ai dit que j'avais commandé les tomes qui me manquaient des Chevaliers d'Emeraude. Donc, moi, j'en ai déjà 3. Ouais, 3. Donc, c'est des gros bouquins comme ça, comme j'adore et tout ça. J'ai le 6, le 8 et le 9. Donc, il m'en manquait 8. Et j'ai commandé des 8 pour 2 euros pièce. Quand j'ai été chercher le paquet, je les ai reçus hier, je me suis dit, tiens, le paquet, il est petit pour 8 bouquins, comme ça. Et en fait, j'ai pas fait attention que c'est des formats poche. Donc, je suis légèrement dégoûtée, puisque vous vous doutez bien qu'avec mes tocs, je peux définitivement pas mettre ça dans ma bibliothèque. Il faut que, pour moi, ce soit carré, donc ça va pas le faire du tout, ma chérie. Donc là, j'ai réservé les tomes qui me manquent en grand format, mais là, j'en ai pour 15 euros les 4. Donc ça va me faire 30 euros les 8. Alors, le prix d'un bouquin neuf, c'est 15 balles. Enfin, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, de toute façon, c'est marqué derrière 15 euros. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Enfin, bref. Les petits sont forcément moins chers puisqu'ils étaient à 8 euros. 7,90, je crois. Donc voilà, donc je vais commander mes gros bouquins, hein, puisque forcément, sinon mes tocs ne vont pas supporter. Hein, et j'étais déjà en plein stress quand je les ai eus, parce que j'avais déjà préparé la place pour les mettre. J'étais impatiente de les mettre pour plus avoir ce trou-là, et je ne peux pas les mettre. Donc je vais revendre les petits, je ne sais pas quand j'aurai le temps. Là, j'ai commencé quand même à lire le premier, puisque en attendant que je reçoive l'autre. D'ailleurs, j'ai commencé hier et voilà, j'ai déjà lu tout ça. Et j'attendais en fait qu'il y ait une vente qui se valide chez moi. Il y en avait pour 33 euros. Sauf que là, la dame a ouvert un litige cette nuit. Parce qu'apparemment, il y a un produit qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un truc pour coller les strass électriques et qui ne s'allume pas. Donc je suis totalement d'accord que si le produit fonctionne pas, après je vois pas pourquoi il fonctionnerait pas, il est neuf, mais bon, voilà, que je dois lui rembourser. Sauf qu'elle avait fait un lot pour 33 euros et que si j'accepte de rembourser ce produit là, ça rembourse tout le lot en fait. On peut pas juste rembourser le produit défectueux. Donc voilà quoi, c'est pas correct de la part de Vinted non plus. Donc ça veut dire en gros que la dame, parce qu'en plus, je lui ai mis des cadeaux, puisqu'il y en avait pour 30 balles. Plus de 30 balles, d'ailleurs. Voilà, va être remboursé de tous les produits que je lui ai envoyés. Et c'est pas un petit montant de 3 euros, comme je m'étais fait arnaquer. Enfin, alors, c'est pas du tout une arnaque, hein, je pense pas, puisque la dame a beaucoup d'évaluations positives et tout ça. Mais je trouve que c'est Vinted qui est pas correct, en fait, avec les vendeurs. Donc là, j'attends de voir déjà ce qu'ils vont dire, parce qu'ils se sont retournés contre Mondial Relais. Il me demande d'envoyer les photos du paquet en cours de préparation, chose que je ne fais jamais parce que je ne peux pas garder toutes les photos de tous les colis que j'envoie, et chose qui ne change absolument rien, puisque je sais que ça ne change rien. On me l'a déjà dit plusieurs fois que je ne cherche pas à comprendre. Si Mondial Relais refuse, c'est dans ton cul, quoi. Maintenant, là, ça aurait été bien que l'acheteuse envoie l'emballage du colis, elle aussi, puisque je sais qu'il était très bien emballé, je sais que j'emballe très bien mes colis, qu'il n'y avait aucun risque. Maintenant, s'il a été en contact avec l'humidité,
Est-ce possible que le produit soit défectueux à cause de ça? Je ne sais pas, mais bon. Voilà. Après, j'ai rien contre le fait de lui rembourser le produit défectueux, mais pas le reste, quoi. Je vais pas lui rembourser 20 balles en plus pour ce produit-là, quoi. Voilà, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Et sinon, je lui ai proposé qu'elle annule le litige et moi je rembourse les sous sur de ce produit-là sur son PayPal, quoi. On va voir si elle accepte ou pas. Voilà, donc j'attendais que cette vente se valide là pour commander mes 4 premiers bouquins en grand format. Donc je vais devoir attendre un peu. Heureusement, les tomes sont réservés, les 8 qui me manquent, les gros sont réservés. Après, j'avais vu aussi qu'il y avait la suite, les chevaliers, les héritiers dans Qui dit Ève. Je m'étais dit, tiens, je vais me les prendre aussi. Voilà, je ne les ai jamais lus, ceux-là, puisque je ne suis pas arrivée au bout de celle-ci, de cette collection-là. Et je croyais qu'il y avait 4 tomes, et en fait, il y en a 12 aussi, quoi. Donc ça va attendre un petit peu, hein, déjà le temps que je lis ceux-là. Voilà, bon, après, je lis très vite, hein, je sais, mais j'ai tendance à faire des pauses dans mes lectures. Donc voilà, c'est les bonnes nouvelles. J'en peux plus de cette poisse. Quand j'ai ouvert la boîte, je dis non. En fait, le seul moyen de savoir que c'est des petits. Je savais même pas qu'ils étaient sortis en format poche. C'est le petit logo ici et le logo vert ici. Après, sur la tranche, ils sont pas pareils non plus. Voilà. Mais je peux définitivement pas les ranger comme ça dans ma boîte, dans ma bibliothèque, quoi. Ça, c'est pas possible pour moi. Mes tocs vont être en ébullition H24 avec ça. Hein, donc, ouais. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre les petits en vente. Je vais essayer de les revendre au moins 2 euros pièce aussi. Mais je doute que j'y arrive puisqu'il y en a énormément en vente. Après, les bouquins sont nickels, hein, franchement. Après, j'ai réfléchi, j'ai été un peu con-con. J'aurais mieux fait de revendre les 4 gros tomes que j'ai, les 3 gros tomes que j'ai et racheter les 3 petits qui me manquaient. Ça me serait revenu moins cher. Mais j'aime tellement avoir un gros bouquin comme ça dans les mains. En plus, c'est écrit plus gros. Donc j'arrive mieux à lire que sur les petits comme ça, quoi. Bon, après j'arrive à les lire, hein, mais je sature vite, j'attrape vite mal la tête. Et j'aime vraiment avoir un gros bouquin, moi, dans les mains. Voilà, vous voyez, j'aime les bonnes grosses choses. Donc voilà pour mes aventures bouquinesques. Bref, on s'en fout un peu. Donc là, je vais aller me recoucher parce que je suis vannée. Mais alors, vannée de chez vannée, j'ai ma part là au crâne. Chéri est parti travailler puisque lui travaille et les enfants dorment, hein, bien évidemment. Il est que 7h05, donc ils ne vont pas se lever tout de suite. Et après, une fois que je serai réveillée, j'irai filmer donc, le make-up 2 avec la palette Mitchell qui m'a repartagé hier en story. Elle a repartagé la photo de la palette. Oh, je suis peut-être trop, trop fière. En plus, j'ai Unicorn Makeup qui est venu aussi liker ma photo alors que je suis pas abonnée à eux, rien, et que je les ai pas mentionnés. Donc voilà, c'est cool. Ça fait une petite fierté personnelle. Et je vais vous filmer aussi les favoris pour vendredi pour vous, si je ne dis pas de bêtises. Pour le vendredi qui vient ou vendredi qui est passé? Attendez, je vérifie. Pour le vendredi qui vient. Donc je vais vous tourner les favoris du moment, hein, puisque je les ai pas fait depuis ceux de l'année. Et ceux de l'année regroupent tous ceux que j'ai utilisés sur l'année qui est passée. Donc pas forcément ceux que j'ai utilisés ces derniers temps. Quoi. Ben, voilà, oui, logique. Donc voilà, bah écoutez, cette semaine, ça sera beaucoup du blabla. Je pense que ça va être comme ça pour 3 semaines, hein, puisque je vais absolument rien foutre. Enfin, après, c'est comme ça tout le temps chez moi, hein, je fous rien. Mais voilà, là, j'ai déjà fait ma machine, le lave-vaisselle, j'ai pendu ma machine, j'ai rangé un petit peu. Bon, j'ai pas remis mon canapé en ordre parce que je suis éreintée. J'ai mis le meuble sur Facebook aussi. Donc, on verra s'il part. Je l'ai mis à 50 euros. On verra, je baisserai le prix au fur et à mesure. Et puis si je vois qu'il part pas, je le mettrai à donner pour quelqu'un qui en a besoin. Comme ça, il dégage d'ici, quoi. Parce que là, c'est juste pas possible. C'est très moche. Bref, bon, j'allais voir après mon chat qui doit déjà être dans le lit. Et puis on va aller se recoucher un peu. Et puis j'irai filmer quand je serai réveillée. De toute façon, maintenant, j'ai la journée. Mais là, me lever à 4h du matin, c'est juste pas... Ça m'était mort de rire quand il a su qu'il avait plus école. Il m'a dit, ah, moi je vais pouvoir rester au lit, mais pour toi ça ne changera rien, tu vas quand même te lever à 5-6 heures au matin. Non, je me lève à 4 heures en ce moment. Caca. Bref, donc bah, écoutez, je ne sais pas si je vous reprends plus tard ou pas, j'ai pas envie de spoiler les make-up de lundi. Je
vous ai spoilé le premier hier, mais j'ai pas envie de tous vous les spoiler. Donc je pense que je vous reprendrai que demain matin, sauf s'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, mais je doute vu ma vie pitoyable, lamentable et tellement pas passionnante, quoi. Voilà. Donc à plus. Il est 7h43. Alors vous allez entendre Enzo, il est en train de geeker juste à côté de moi. Il est debout depuis 4h au matin, ce con. Et oh, il est en train de causer. Voilà. Alors j'ai quelques petites choses à vous dire. Je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée, donc je pense qu'on va clôturer le vlog ici. J'ai pas envie de vous spoiler le make-up de demain. Et voilà, alors on va commencer par les soins. J'étais en train de tester le Revuel Expert Plus là. Le sérum comme ça. Et j'aime bien l'effet, mais je supporte pas l'odeur. Donc je vais le donner à DJ. Il a une odeur de parfum d'homme très 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 prononcée. Et ça me lance dans la tête quand je le mets. Donc voilà. Mais l'effet est très bien, mais. Voilà. Donc du coup, je vais le remplacer par le produit là de chez Colourpop à la rose. Mais là, c'est un, comment ça s'appelle, Face Milk. Voilà. Et du coup, je vais en profiter pour utiliser aussi la crème, vu que c'est des mini produits, ça ira très vite. Et le lip mask. Voilà. Ça, je vais mettre sur ma table de nuit le soir. Voilà pour les soins. Donc chez Revuel, la crème de jour et les contours des yeux, j'aime beaucoup. Mais c'est franchement que l'odeur de ce sérum qui me dérange. Sinon, le reste, nickel. Ce soir, j'ai le meuble qui part. Voilà, j'ai quelqu'un qui vient le chercher ce soir. Je l'avais mis en vente sur Facebook, hein, sur Marketplace, là. Alors, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire vous pouvez me le garder jusqu'à la semaine prochaine. Je viens le chercher dès que je peux. Je suis d'accord, quoi. Je suis à une semaine près, là. Et juste après, j'ai un monsieur qui m'envoie un message. Je viens le chercher demain et je vous le prends pour 40 euros. J'ai écouté, j'ai quelqu'un qui me l'a réservé pour 50 balles. Je vais pas le vendre moins cher. Je préfère attendre une semaine de plus et le vendre à 10 euros plus cher, quoi. Après, il me dit, je vous en donne 55. Et je viens le chercher demain. J'ai écouté, ça le fait pas. Moi, je l'ai mis de côté pour l'autre personne. Voilà, c'est pas très correct, quoi. Puis il me dit, je vous le prends à 60. Donc, il est vraiment intéressé. Donc je le dis à l'autre personne, je lui demande si elle est vraiment, si elle le veut vraiment ou quoi. Parce que j'ai quelqu'un qui m'en propose plus cher, quoi. Voilà. Après, c'est 10 euros quand même, c'est pas rien. Puis elle me dit oui, alors vendez-le à l'autre personne, je comprends tout à fait et tout, mais sachez quand même qu'il vaut beaucoup plus cher. Il vaut au moins 250 euros. Mon mari est antiquaire et il vaut au moins 250 euros. Donc, vous faites comme vous voulez, qu'elle me marque. Déjà, je me doute que je fais comme je veux. Hein. Mais en plus, toi, tu le voulais pour 50 balles. Tu m'as pas proposé de me le payer plus cher. Donc, voilà. Voilà, moi, je veux juste qu'il dégage. Ma foi, si l'autre personne fait des affaires avec, tant mieux pour elle. J'ai envie de vous dire, moi, je veux juste qu'il dégage. Et voilà. Donc, le monsieur vient me chercher ce soir à 18h. Et voilà, sinon Vinted, j'ai toujours pas de nouvelles. J'ai demandé à la personne qui a ouvert le litige là pour lui racheter le produit endommagé et pas lui rembourser tout le lot parce que voilà, je peux envie de le rembourser 20 balles en plus pour un truc qui cloche dans le lot. C'est dégueulasse à la part de Vinted, franchement il pourrait qu'on puisse rembourser que le produit qui pose problème sur un lot, quoi. C'est dégueulasse qu'on doive rembourser tout le lot. Donc je lui ai proposé soit de lui faire un remboursement sur PayPal, soit de lui racheter sur son Vinted. Donc là, elle m'a dit qu'elle allait réfléchir. Ça m'inquiète un peu. Parce que je suppose qu'elle sait justement que je vais devoir rembourser tout le lot. Donc là, je lui ai dit, écoutez, je sais que c'est pas évident de faire confiance à quelqu'un que vous connaissez pas, mais voilà, j'ai aucune raison de vous arnaquer, je suis totalement d'accord pour rembourser le produit défectueux, je veux juste pas perdre mes autres produits, quoi, elle les a quand même en main. Donc voilà, maintenant, je vais attendre, si elle veut pas cet arrangement-là, je vais attendre la décision de Vinted. Si Vinted estime que je dois la rembourser, je demande le retour du colis complet. Voilà, comme ça, je pourrais remettre les autres produits en vente. Et je la rembourserai qu'une fois que j'aurai... que j'aurais récupéré les produits, quoi, parce que faut pas déconner non plus, je vais être gentil, mais voilà, c'est quand même 20 balles, quoi. Donc je lui ai expliqué pourquoi je mettais de côté et on va voir si après j'ai aucune raison de l'arnaquer, j'ai quand même pas mal de bonnes évaluations, enfin j'ai que des bonnes évaluations, elle aussi, hein, donc voilà, mais c'est à elle de me faire confiance pour ce coup là quoi. Moi je peux pas lui faire confiance et lui rembourser tout le lot et me dire elle va me rembourser elle après, quoi, parce qu'elle elle a moins à y perdre que moi, donc voilà, on verra bien. On t'entend sur mon live.
T'es en live, toi? Je fais un live maintenant. Un tuto beauté. Un tuto beauté. C'est parti. Ils ont qu'à venir sur ma chaîne. Je pense que tous ceux qui sont sur ma chaîne sont ceux qui sont sur la tienne. Ah oui, c'est moi qui lui ai fait de la pub, pas l'inverse. Attention, 21 abonnés. 21 abonnés, ouf, ouf. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos au cas où, hein, si vous voulez le faire arriver à 25, voilà. T'es méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Ah ouais. Voilà, ça me demandait, tu vlogues pas, puisqu'il a plus cours, lui, hein, pendant 3 semaines et demie. Chouette. Donc il me dit, tu vlogues pas? Il me demande ça hier après-midi, après ma sieste. Bah, j'ai dit, mais je vlogue le matin, en principe, puisque l'après-midi, je suis pas tranquille, puis je suis à la sieste. Donc je pense que la semaine prochaine, vous allez le voir pas mal dans le vlog. Là, je vais pas attendre qu'il se réveille rien, parce que je sais pas à quelle heure il a été se coucher. Là, j'attends l'appel d'Emmy vers 8h15. Tant que je ferai mon teint, puis après j'irai faire ma vidéo. J'ai 2 vidéos à tourner. J'essaie de prendre un peu d'avance, puisque comme il y a les congés prolongés, là. Et voilà. Sinon, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Mon fils parle tout seul. C'est un taré, mais comme sa mère. Un peu moins, qu'il dit. Sinon, voilà où j'en suis avec mon bouquin, déjà. Voilà. Donc là, j'attends que mes sous arrivent sur PayPal pour commander les 4 premiers tomes en gros format. En attendant, je vais lire les petits. Hein, puis une fois que j'aurai les gros formats, je revendrai les petits. Et voilà. Sinon, je crois que j'en ai rien d'autre à vous dire. Là, j'attends. Ah oui, demain, il y a mon dernier colis pour le swap qui arrive. Ah non, mon avant-dernier, parce que j'en ai un qui doit arriver en mondial relais aussi, qui arrive chez mon frère. Donc, comme il en a déjà un, je lui ai juste dit, mets-le à l'abri du chien, quoi, parce que elle aime bien jouer avec les trucs qui sont pas elle. Et voilà, donc comme ça, après, j'ai déjà fait le menu. La fille qui va beaucoup trop vite. Mais au moins, on est tranquille avec ça. Et voilà. J'attends toujours mes foutus crayons à Idayan, là. Je n'ai toujours pas eu. Et j'en ai commandé 2, puisqu'il y en avait un pour aller dans le swap de la partie de Manon. Elle le sait, puisque je les avais déjà pris pour le swap d'avant, que je n'avais toujours pas reçu non plus. Donc voilà, j'attends et si jamais je ne les reçois pas, je vais ouvrir un litige et je commanderai autre chose à la place, quoi. Enfin, tant pis, on verra bien. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Il ne sera pas très 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 long, mais pas très 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 court non plus. Enfin, on tourne quand même autour des 1 heure, hein, je pense. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ce qui s'affiche sur l'écran, hein, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires et tout ça, tout ça. On se retrouve de toute façon demain avec une palette pré-look de la Mitchell. Je vais vous donner le programme, je ne vous l'ai pas donné de la semaine encore. Donc demain, une palette pré-look avec la Mitchell, mercredi le Disney Challenge. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Mulan, mais je ne vous dis pas quel personnage on a eu. Le 2, les favoris. Live le 3 à 20h et dimanche le weekly vlog. Et à partir du vendredi 9, donc vous avez vendredi prochain les favoris, enfin vendredi qui arrive les favoris, et ensuite on commence les top 10. Voilà, on m'a redemandé des top 10. Donc vous aurez le top 10 des rouges à lèvres, bâtons et liquides, donc 10 bâtons, 10 liquides. Le top 10 palette, le top 10 blush, le top 10 bronzer highlighter, donc là vous aurez 5 de chaque, puisque voilà, et ici. Voilà, pour le petit programme de la semaine prochaine et des vendredis qui suivent. Donc, écoutez, on se retrouve demain, et en attendant, moi je vous dis bisous.